C'est si beau. Le cristal mère de Chef Drac. Bon, ça le fait pas. Ce truc est un peu plus coriace que prévu. Je suis équipé. Te fatigue pas, Clive. Ça suffira pas à l'entamer. Ce truc est bien plus solide que les cristaux qu'on connaît. On dirait que j'ai pas le choix. C'est le moment de prendre un petit coup de vieux. Reculez! Je vais me changer en rameux. Clive, regarde. Qu'est-ce que c'est ? Sid ! Bon sang, c'est quoi cette chose ? Je me transforme aussi. Où m'as-tu emmené ? Je suis déjà venu ici. Qu'est-ce que tu veux ? Merde, ce truc bouge encore. Ah!
Imbécile! Je ne suis pas ton esclave. Très bien. Tu ne m'empêcheras pas de passer. C'est fini. Je ne vais pas te laisser faire.
Quoi ?
le Vex va s'ouvrir. Enfin, t'es de retour parmi nous. Tu es blessé. Ouais, j'avoue que c'est pas ma plus grande heure de gloire, là. Vite, il faut te soigner. Non, c'est pas le moment. Je comprends enfin. C'est toi qui étais responsable de tout ça. Tu vas voir. Sid. Allez, c'est ma dernière. Il faut te ménager. Sur la conviction qui m'a toujours animé. Et tu as raison. On a tous besoin d'un endroit où on peut vivre en homme libre, sans rendre de compte à personne. Et c'est ça, en fait, que j'ai cherché toute ma vie. Un endroit où les gens peuvent choisir leur destin. Je suis sûr que toi, t'en trouveras un. Ce triste monde de cette malédiction. Arrête ! Sid ! Maintenant, c'est ton tour d'être le renégat. Compris ?
Ô flammes éternelles, changez les rémanences des morts en feu de résurrection. Pardonne-moi, Clive. Si seulement j'étais arrivé plus tôt. Tu te souviens de moi ? Tu les as défendus. C'était très courageux. Je sais que tu es là, Ultima. Donc, tu connais notre existence. Tu nous impressionnes, Phoenix. J'ai parcouru le monde entier pour découvrir ce que tu manigances. Depuis le jour maudit où tu nous as séparés, mon frère et moi. J'ai réussi à comprendre que c'est après lui que tu en as. Mais je te préviens. Les choses ont changé. C'est moi qui le protège. Très bien. Ô souffle des dieux anciens, porteurs de pouvoirs oubliés, chassez ces palabres impurs et protégez-nous de leur noirceur. Tiens, une barrière. Tout ça ne nous mène à rien. En effet. Cessons ces jeux futiles, Phoenix. Tu vas nous donner le réceptacle. Pas question, monstre. Tes flammes sont visibles. Tu vas découvrir le véritable feu. Je n'espère pas te vaincre. Je sais que tu es l'essence même de la raison. Mais... inutile de te tuer pour sauver Clive. Ce sont les flammes de la Renaissance. As-tu oublié qui je suis ? Et quels sont mes pouvoirs ? Ici, tu ne pourras pas atteindre mon frère.